Salut à tous les potes, c'est Alfouille. On se retrouve ce soir ou aujourd'hui ou demain, peu importe quand vous regardez cette vidéo, pour l'épisode 5 de Man of Medan. Et on est dans la tourmente, si je ne m'abuse. Alors là, B-Boy 45 est en train de configurer le jeu. Je pense qu'il fait sa petite intro de vidéo. Moi, je l'ai fini, c'était rapide, simple et efficace. Aux dernières nouvelles, ça fait longtemps que j'ai pas joué. On était sur le bateau tout déglingué là, à pieds nus là, on va attraper le tétanos. Ah, il fallait qu'on récupère la pièce pour redémarrer le bateau. Donc, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on fait? On était censé les suivre. Faut pas qu'on s'approche trop. Par là, on devrait pouvoir les devancer. Je m'occupe de ça. Alex, pont principal. Ok. Donc moi, je suis Alex. Ok. Et on reprend directement dans le vif du sujet. Ok. C'est quoi ça? Des tuyaux pétés, ça m'intéresse pas. Ah, là, il y a quelque chose. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que ça? Mais c'est quoi, cette chapelle? Oh, c'est pas vrai. J'ai pas besoin de ça, maintenant. À tout l'équipage, la section 7-7 s'est convertie en chapelle jusqu'à la fin du voyage. Nous demandons à tous les membres de l'équipage de garder le silence et de se montrer respectueux. Hein. Ok. Ok, ok. Quoi? J'entends rien. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai des frissons. C'est normal? Ça se trouve, il a vu un truc. Ok, là, y'a rien. Ah, on peut aller par là, non? Pas du tout. C'est un prank. Ça. Est-ce qu'on peut aller par là? Pas du tout. Il est rentré là-dedans. Ok, bah je vais le laisser fouiller là. Moi, je vais fouiller là. Il y a rien. Il y a rien. Et bah voilà, ça a été rapide. Une seconde. On est déjà passé par là. Alors, ça m'étonnerait. Je suis certaine qu'on est déjà passé par là. Tu nous fais tourner en rond, quoi. Je me fais engueuler en plus, eh oh. Ah, il y a un truc là. Soupe du jour, mademoiselle. Comme si t'étais un pro en cuisine. Allez, ça va. C'était juste une blague. Ok. Ok. Ok, maintenant c'est quoi cet endroit? Je pense qu'on devrait essayer par là. Vu la grande pièce et toutes les tables... C'était quoi ça? Quoi? J'ai rien entendu. J'ai entendu un bruit. Les gars, faites pas le... Oh, il y a un truc là-haut. Indice. Ah. Rip. Sympa. Stop. La prémonition. Il y a un problème. Oh putain. Oh, qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas tout seul ici, t'as... Oh putain. Il y a eu un bruit, non?
Je sais que j'ai vu un truc. Ça se déplaçait dans l'ombre. Julia, allez, essaie de te calmer. Je t'interdis de te moquer de moi. Je me moque pas. On va tout scanner de toute façon, je me moque pas, faut juste garder son sang-froid. Ok, je suis sûre qu'on est déjà passé par là tout à l'heure, on tourne en rond là. Tu veux faire quoi? Tu veux faire demi-tour? On est déjà passé par là. En même temps, il est grand le bateau, hein. Mais pour avoir été déjà dans un grand bateau militaire comme ça, tout se ressemble, hein, je vous le dis. Ok, non, ça c'est trop glauque pour moi. Ah! Des cercueils dégueux dans une chapelle flippante? C'est pas vraiment mon délire. Ah, Alex. Le calme et la confiance incarnée. Alors, voyons voir. Moi, j'en ouvre un. Rien à foutre. Ah, j'ai trouvé un secret. Oh shit! Oh bordel! Non mais sérieux? Est-ce que c'est un humain? Enfin, est-ce que ça l'était? C'est quoi cet endroit bizarre? On serait pas dans la cale 3C par hasard, ou 3, je sais plus. Allez, allez, allez! Et si on ouvre les 4? Ah, j'ai vu un truc briller par là. Il y a un truc qui brille. Chut. Et bouh! Qu'est-ce qu'il y a? Oh shit! Sérieusement? T'essaies de me faire flipper? Hein? Alors ça paraît pas, mais je me suis fait caca dessus. On pourrait se tirer d'ici. Un caca de trouille, hein, vous savez ce que c'est, hein. C'est plein de petites boules. Mais il s'est barré où? Attends, reviens! Ok, alors attends. Oh. Ah! Y a rien qui dépasse ici. C'est chelou quand même, non? Là, y a rien. Ah, il y a une petite pièce là. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est que ça? Bon, mais tourne, Boubours, non? Il veut pas. Hein. Allez. Ok, attends, on recommence. L'aspirine. Il y a des trucs qui me filent mal au crâne, mais là, ça va. J'espère que t'es pas en train de parler de moi, très cher. Ok, il voulait pas tourner le pot d'aspirine. Bon, là, il n'y a plus rien. On se casse. Oh, ça, c'est dégueulasse, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Loulou, c'est toi? Non. Hein? Hey. Je rigole pas, c'est vraiment pas le moment de déconner. Je suis à bout, là. Boop. Oh, ah, délire. Non, mais ça va pas. Pourquoi tu l'as touché? Il est mort. Hein. J'ai vu tuer Dr. House et je peux vous dire qu'il est mort. Ouais, bah ça, ça a pas l'air franchement sécure. Ok. Oh merde. C'est pas le Renoir Neneuil là? Oh merde. On va passer un sale quart d'heure. Merde, 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 putain, fais
chier. Fais chier. Ah. Je suis Brad maintenant? D'accord. D'accord, on se casse. Allez, là. Allez, espèce de petit connard, vas-y. Tu peux le faire. Ok. Bon, Brad, il m'inspire pas confiance, hein. Bien joué, ça. Ok. Putain de merde. Bon, ben, écoutez... Hop, on refait le chemin. Par contre, si tu vas refaire le même chemin, je suis dans la merde. Hein. J'ai tout oublié. Hein. Il est encore... Ah oh, j'ai peur. Il est encore pieds nus. Hein. Eh oh. Qui est là? Ça annonce rien de bon, ça. Elle va pas te répondre, ça, monstre. Je crois qu'on était passé par là, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le bracelet de Julien. Ils étaient là. Ok. Ok, c'est un indice. Ils étaient là. Donc ils sont bien passés par là. Fais pas trop de bruit, fais pas trop de bruit en ouvrant. Non. Oh merde, c'est bien fermé, on vérifie toujours deux fois. Du coup là je me retrouve tout seul avec Brad. Le mec qui boit une bière, il est malade. Je suis pas très rassuré non plus. Hein. Là, c'est ouvert. Parfait. Alors. Des bruits bizarres. Ok, super. Un petit truc qui brûle là? Non, il y a que dalle. Est-ce que je peux aller ici? Oh shit! Ah! Un mort, deux morts, trois morts, ça fait beaucoup de morts là. Oh merde, mais c'est pas vrai! C'est quoi ça encore? Général d'infanterie, 14e division au rapport. Ils sont tous morts comme s'ils avaient vu quelque chose... Toi, de choquant, quoi. C'est quoi ce bordel? Mais arrête de crier, toi, Bobos, là. Oh non, pas ça. Oh, merde. Forcément. Oh, génial. C'est super. Parfait, c'est super. Ah, ok. Oh. Les gars, moi je suis gentil, hein. J'aurais peut-être pas dû ouvrir. Ah si, on va voir s'il y a quelqu'un. Jean-Michel, t'es là? Oh. Merde! Vas-y, casse les couilles! Ok? Y'a quelqu'un là? Ouais, vous savez quoi? On va faire demi-tour, hein, je sens que c'est une mauvaise idée de venir par ici. Non? Je réouvre ou quoi? Non, 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 non. Ah!
sait qu'il y a un coup de couteau dans le ventre, comme dans la prémonition. Eh mais attends, c'est pas la Black, elle? Je crois que c'est la Black. Wow, j'étais grave concentré, hein. Ah non, oh, il y a un kebouz et tout, lui. Fais pas le con, Brad, hein. Fais pas le con. Bon là on va pas ouvrir parce que pour des raisons sanitaires, hein, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'ai cru qu'il y avait un portrait, un dessin, une peinture. Enfin bref, vous m'avez compris quoi. Ok. Ils sont pas loin. Il y a quelque chose ici là. Ouais. Dis-moi en plus. Nickel. Fais pas ding ding, hein. Voilà. Alors. Formulaire de demande de matériel, quantité description, un respirateur, un filtre, dépense, budget d'énergie, demande de soldat Gordon Young, rejeté, motif de rejet, le soldat Young a déjà été doté d'un masque à gaz. Hop, ça dégage. Hein. On dirait... Bon, le fameux gaz moutarde, hein, utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Qui est maintenant interdit, hein, si je ne m'abuse. Peut-être qu'ils sont par là. Ouais, pas discret déjà que la loupiote. Il me faut un truc pour grimper là-haut. Et ben on va aller chercher quelque chose. Ah, j'ai pris le mur, hein, désolé. Oh shit. Alors, voyons voir. Ah, il y a quelque chose là. Qu'est-ce que c'est que ça? Tom, c'est sur toi que ça retombera si ça se sait. Fais le nécessaire. Attends, j'ai pas regardé derrière. On sait jamais, il y a peut-être un post-scriptum ou un truc comme ça, tu vois. Ah, mémoire interne à tous les officiers de terrain, veuillez condamner les cercueils et la récupération des personnes de deuil, contenu de sécurité est confidentiel. Il devrait rester verrouillé sous surveillance en permanence, aucun membre de votre unité doit y avoir accès. Ok. Alors, je suis pas sûr, mais je crois que la mission est tombée à l'eau. Hein. Ok. Là, y a rien. Là, y a rien. Y avait pas une boîte, là, les gars? Quige, que vois-je? Et ça me paraît pas mal, ça. Espérons que ça fasse pas trop de bruit. Ouais. Ça m'a l'air d'être passé. Ouais, il est pas épais, il peut passer facilement. Bon, faut que je retrouve mes copains, moi. Alex? Julia? Léo? Ok. Ah, il y a quelque chose là. Une prémonition. Ok, un hélico, d'accord. Si je me fie...
à la marque de l'hélico, à son modèle. C'est récent, donc peut-être un sauvetage dans le futur, si on ne fait pas le con. Dans la tourmente ou pas? Ah ouais, putain, je vais être dans la tourmente. Je peux pas aller plus loin que le bord. C'est quoi ça? Ouais, bon, on est enfermé, les gars. J'ai peur. Qui est là? Ah merde. Y'a quelqu'un? Dégagez! Ah oui, bah c'est sûr, ça va leur faire peur, ça. Je regarde un petit peu partout, on sait jamais, hein. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est que ça? Force, non? Fais un effort? Ok. C'est vraiment le pire. Hein. Ah, non. Non, j'entends rien du tout. C'est juste dans ma tête. Oh. Donc, bon, les bruits dans la tête, moi j'y crois pas trop. Ah, il y a quelque chose là. Descendre. Ah, on va aller tout là-bas. Là. Oh, il y a plusieurs. Il y a plusieurs choses des là. Des squelettes. Oui, bon bah des squelettes. Des squelettes. Et votre poule? Il y a eu une histoire de bagarre. Ah. Voyons voir. À l'intention du second Fisher, monsieur, vous m'avez demandé de vous dire informer la situation à June. Nous attendons d'envoyer des messages à 1h. Ok. Derrière, il y a quoi? Nous avons pu capter des messages indirects jusqu'à 1h40, cependant nous n'avons plus de messages après. Il est possible que notre équipement soit défectueux. Je vais procéder à des vérifications et devrais-je pouvoir en dire 3 heures. Cooper, il est sûrement mort, hein, le frérot. Hein. Ok. Est-ce qu'on va voir là-bas? Oh! Ça, c'est pas mal pour se défendre. Oh, ça, c'est une bonne clé anglaise. Hein. Ah non. Je connais rien en bricolage, putain, c'est un scandale. Ok. Alors, Alex, là, oula. Julia? Arrête de crier. Oh, attends, on va changer de place. Oh. Oh non, ma clé! Bonjour. Salut toi. Un coup de clé. Merde. Un coup. Allez. Un coup de clé. Hop. Un coup de clé. C'est sûrement un pote à moi en plus, mais c'est pas grave. Hein. Moi, je joue un méchant, je le tabasse. Ah. Ah, ils sont plusieurs. Ah, mais fallait le dire avant aussi, les gars. J'ai failli mourir. Et bah c'est la fin de cet épisode, mes amis, de l'épisode 5. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire et un petit pouce sur la vidéo. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt.